un village de Knaus. Bon, le dernier bout là de la Moselle, c'est vraiment pas intéressant, il n'y a rien à voir. J'ai toujours à côté d'une route. J'en ai marre. Je me réjouis d'arriver à Koblenz. Bon, à tout à l'heure. J'arrive à Bodenmatt, village aussi au bord d'Argel avec son port. Je suis à 25 km de Koblenz encore. J'ai un petit refi, juste à côté de la route, j'ai un petit refi. Et je vais nouveau y arriver dessus. Dans le village de Alken. Je m'approche toujours plus de Koblenz, mais c'est encore pas ça. Bon, c'est des beaux petits villages, mais toujours sur ces circulations, c'est un peu difficile. Voilà, à tout bientôt. Voilà, j'ai quand même bu un petit café, un petit cappuccino à Alken. Voilà, c'est 11h, j'ai encore 20 km, 25 km jusqu'à Koblenz. C'est toujours un peu nuageux. J'espère pas qu'il y ait un orage qui vienne. Mais pour le moment, c'est bien. Voilà, tout à l'heure. Alors, dernier bout de la Moselle, c'est pas à refaire, hein, parce que là ça fait 40 km que je suis sur une route comme ça, chaque fois les voitures passent, j'ai même pas un mètre sur la piste. Pas évident. Bon, je suis à 5-6 km de Koblenz. Il n'y a même plus de piste cyclable. Il faut que je roule à droite de la route. Allez, encore un petit bout, puis après, ça sera de nouveau. La deuxième partie de l'étape sera nettement plus sympathique. Tout à l'heure. Klingt und Grüße dir bringt, Elisabeth.
en train de contourner Koblenz par la gauche, mais j'arrive bientôt au bout. Donc voilà, après ça sera la montée du Rhin pendant 400 km, voire plus. À toutes.